Bonjour à tous. Eh bien, en tant qu'ancien chercheur dans le domaine de la physiologie d'exercice, mon travail, outre de faire mes cours en ligne, c'est de vous permettre de progresser au plan de votre condition physique pendant, je dirais, 8 semaines. On va vous proposer pendant 8 semaines un entraînement quotidien. On commence aujourd'hui. Et pour vous prouver qu'on peut progresser finalement dans ces conditions de confinement, grâce à un entraînement biotraining et un entraînement minimaliste. D'habitude, on fait des séances de 30 minutes, mais là, on va les réduire à 20 minutes. C'est encore un challenge supplémentaire. Cet entraînement est basé sur des sensations, donc on peut le faire en marche rapide, en course, si on est dehors, mais même à l'intérieur, sur rameur, sur stepper, sur elliptique, sur un vélo d'appartement. Donc, il n'y a pas de problème, 20 minutes pour ça. Alors, la séance du jour, ça va nous permettre d'étalonner et de prouver qu'on peut progresser. On la fera régulièrement pour voir vos progrès. Alors, vous allez vous échauffer pendant 10 minutes à une allure facile. Puis ensuite, pendant 5 minutes, vous allez faire une alternance de 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, puis de nouveau 5 minutes faciles pour récupérer. Donc, je répète, 10 minutes d'échauffement. Puis ensuite, pendant 5 minutes, vous allez vous tester. Donc, vous allez faire 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, 1 minute dure, 1 minute moyen, puis de nouveau 5 minutes faciles. Vous avez la possibilité de mesurer la distance que vous avez faite pendant ces 5 minutes un peu plus intenses, soit par votre téléphone et votre GPS de téléphone, soit en comptant le nombre de pas pendant ces 5 minutes. Sachant qu'un pas fait 60 cm, peu ou prou, sauf si vous êtes très petit ou très grand. Donc, bon, si vous avez juste un compteur de pas, bon, on s'en arrangera. On compte le nombre de pas que vous avez fait pendant 5 minutes. On multiplie par 60 cm, 0,6 si on a la distance, sinon le GPS du téléphone, sinon les montres sportives spécialisées. Surtout, n'hésitez pas à communiquer un petit peu sur vos sensations. Votre partage d'expérience, on va mettre en place le moyen de communiquer entre nous et finalement de se constituer un réseau d'amis partageant ce progrès en 20 minutes. Donc chaque jour, vous aurez 2 minutes de consignes, de missions pour 20 minutes d'exercice et ça va nous permettre de rester très en forme. Alors bien sûr, nous, on fera attention à la météo. Quand il fait beau, on fera les 20 minutes dehors, à côté de chez soi, hein, on respecte. On prend bien sa fiche à remplir. Et puis, on emmène son chien si on a un chien. Bon, c'est ce que je vais faire là. Ma Gaïa, elle est en train de faire la sieste. Mais bon, voilà, elle s'est pas encore réveillée. Et sinon, à l'intérieur, s'il fait mauvais. Donc, on vous donnera aussi des séances à faire dans les escaliers. Alors, si vous n'avez pas d'escalier, parce que vous êtes à la campagne, vous avez de la chance. Alors, vous prenez un bon vêtement de pluie et hop, dehors. De toute façon, vous êtes de la campagne, donc vous avez l'habitude d'affronter les éléments. Et puis même quand il fait pas beau, la campagne, c'est toujours beau. Voilà. Mais écoutez, à demain. Merci.